Une semaine de l'énergie et énergie renouvelable pour ou une synergie d'action pour l'efficacité énergétique au Burkina Faso pour la protection de l'environnement. Le top de départ a été donné à l'événement hier à Ouagadougou. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, retour sur le voyage du président du Faso en Arabie Saoudite. Les Burkinabés résidant dans le royaume saoudien ont pu échanger avec Rochmar Christian Kabore lors de son séjour à Riyad. Les préoccupations de nos compatriotes dans ce royaume se résument en des problèmes de passeport, de parcelles, de transfert d'argent et de reconnaissance des diplômes des étudiants. Suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene et Aboubacar Sagnon. Les Burkinabés d'Arabie Saoudite ont massivement fait le déplacement pour ce premier rendez-vous avec le président du Faso. Ils ont félicité Rochmar Christian Kabore pour son élection à la tête de l'État burkinabé avant d'exposer leurs préoccupations et leurs doléances. Celles-ci se résument aux lenteurs dans l'établissement des passeports, aux difficultés de transfert des fonds et d'acquisition des parcelles au Burkina Faso, aux difficiles conditions des femmes de ménage burkinabées en Arabie Saoudite et à la non-reconnaissance des diplômes des étudiants formés dans le royaume. Toutes les dispositions seront prises pour que, évidemment, partout où on étudie, partout où on a des diplômes qui peuvent servir au pays, qu'on puisse servir son pays en travaillant et en donnant ses compétences pour le pays. Pour les passeports, les deux ministres en charge de la question, Simon Compaoré, ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, et Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, ont pris des engagements. Les délais d'établissement des passeports seront réduits à 3 semaines maximum. Pour les parcelles, le ministre d'État a expliqué les difficultés rencontrées dans les lotissements et invité les compatriotes à s'intéresser aux logements sociaux. Le président du Faso a saisi l'opportunité pour présenter les mesures sociales entreprises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Au plan de la santé et en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, nous avons décidé que sur l'ensemble du territoire burkinabé, désormais, les accouchements et les césariennes seront gratuites. Nous avons également décidé que les enfants qui ont moins de 5 ans seront traités également gratuitement. Les actions engagées pour l'accès à l'eau potable et l'éducation ont aussi été portées à la connaissance des Burkinabés d'Arabie Saoudite. Le président a eu à nous faire des éclaircissements concernant la situation au Burkina Faso et la situation sécuritaire et économique. Donc nous sommes très satisfaits. Rochmar Christian Kabore a donné à ses compatriotes une information détail. Le vote des Burkinabés de l'étranger sera une réalité en 2020. Et on revient au Burkina Faso pour reparler du grand oral du Premier ministre à la représentation nationale hier. Le discours sur la situation de la nation a été suivi de questions auxquelles le Premier ministre et son gouvernement ont apporté des éclaircissements. Santé, économie, justice, éducation, les préoccupations des députés concernaient tous les domaines et le chef du gouvernement a tenu à apporter des réponses point par point. Nous suivons Maxime Zongo. C'est de façon thématique que le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, a abordé les réponses aux questions des députés. Concernant la santé, l'assurance a été donnée qu'il n'y aura pas de rupture de médicaments et que les engagements sur la gratuité des soins seront tenus. Du reste, 20 milliards de francs CFA sont budgétisés dans ce sens.
L'État, conscient du déficit des médecins spécialistes, indiquera Paul Kabatieva, a entrepris un recrutement pour des formations appropriées. Interpellé sur les nombreuses préoccupations au niveau de l'éducation, le chef du gouvernement apportera des éléments de réponse point par point dans les domaines indexés. Concernant la violence en milieu scolaire, l'État pour sa part prendra ses responsabilités, mais il est demandé à chacun de jouer sa partition. S'agissant de l'épineuse question du chevauchement, la situation trouvera une solution avec le renforcement des infrastructures, mais aussi le développement du numérique dans les universités. Des crimes économiques, le gouvernement estime que les procédures étant déjà engagées, il faut attendre le dénouement. Des mandats d'arrêt, Paul Kabatieva d'indiquer que le gouvernement suit avec attention le dossier, mais il ne se mêle pas des questions de justice. Concernant les revendications des GSP, tout comme celles provenant des autres secteurs, le chef du gouvernement estime que le sacrifice est incontournable. S'agissant de la vie chère, le gouvernement se dit également préoccupé et est en train de chercher des voies et des moyens pour atténuer la situation. Des études sont envisagées sur le cas du carburant. Au nombre des préoccupations également des députés, le déficit en eau et particulièrement le cas de la ville de Ouagadougou. Avec Ziga 2, en 2017, la situation connaîtra un dénouement heureux selon le chef du gouvernement. Des infrastructures routières pour Kabatieva de rassurer de l'effectivité du bitumage de certaines voies, dont Dédougou-Solenjo, Kantiari-Diapaga. Bref, environ 2000 km de route sont concernées à court terme. L'agriculture et l'élevage, avec notamment les conflits récurrents, le social, l'énergie, l'orpaillage, le chômage des jeunes, l'accès au crédit par les femmes et bien d'autres aspects abordés par les députés, ont trouvé également des réponses de la part du gouvernement. Les citoyens ont également réagi à cette adresse de Paul Kabatieva à la représentation nationale des avis partagés que Nong Bakuda et Yolande Lompo ont recueillis pour nous. Suivons. Il faut toujours donner une prime à une nouvelle gouvernance. Ce qui est important, c'est résoudre les questions à la fois de santé et surtout l'énergie. J'ai observé qu'il y a un peu de délestage, mais la clé de la réussite d'une économie passe par la résolution des problèmes énergétiques. On ne peut rien faire sans ça. Présentement, nous traversons vraiment une crise en pénurie d'eau. Ce n'est pas du tout facile. Donc leur façon de faire, moi je trouve que bon, c'est une belle chose. Ça va arranger la population. L'insécurité, ce n'est pas maintenant. Ça a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, on devait faire ça depuis longtemps, au lieu de dire que c'est quand même parce que l'insécurité, ça date plus longtemps. Moi, je suis à l'hôpital. Même quand c'était même pas gratuit, il y avait du dur. Je pense qu'ils devaient quand même essayer de bien équiper les CSPS et tout avant de dire que c'est gratuit. Il faut des actes concrets. Ce n'est pas les discours qui nous concernent, ce sont les actes. Nous, par exemple, ressortissants de la TAPO, on reste toujours sur notre soif face à notre problème, qui est la voie Kanchari-Diapara, frontière Bénin. Et ensuite, il y a le pont de Boudéry qui est là. Bientôt, on serait coupé du reste du monde. Et puis, autre point de l'actualité, ils ont pour mission de relever les défis du secteur de l'artisanat au Burkina Faso pour les 5 ans à venir. Eux, ce sont les élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Ils sont au nombre de 75 les nouveaux membres de l'Assemblée générale consulaire qui ont été installés dans leurs fonctions officiellement donc le 4 mai dernier. C'était en présence de Salifou Belem et Ramatou Zida. Ils sont au nombre de 75 et sont désormais membres de la nouvelle Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Ils représentent ici 110 corps de métiers répartis en 9 catégories. Pour les 5 ans à venir, ces élus consulaires vont défendre les intérêts de leurs pairs en étant l'interface entre l'État et les acteurs. Leur mission principale est de veiller à ce que l'institution soit implantée partout sur l'ensemble du territoire national et aussi connue de toutes les organisations artisanes. Nous allons ensemble trouver des créneaux pour trouver les solutions
qui mine l'artisanat. Nous avons l'ouverture du registre des métiers, donc ce répertoire qui devrait pouvoir permettre d'enrichir les artisans et de faire en sorte qu'ils puissent acquérir une carte professionnelle d'artisan. La Chambre des métiers a permis aux artisans d'avoir accès à la commande publique. Donc nous allons continuer à mener ce plaidoyer. L'institution est jeune et la présente Assemblée consulaire constitue sa deuxième mandature. Elle compte sur l'appui du gouvernement pour porter haut les défis du secteur. Nous allons les accompagner en renforçant également leurs capacités et puis en recherchant effectivement aussi les financements pour eux, pour que quand même ils puissent apporter leur plus dans cette économie burkinabé. Pour le président de la Chambre, élu pour un second mandat, la première mandature était une expérience. Avec son équipe, il entend préserver les acquis et apporter des solutions aux insuffisances. Des artisans qui pourraient apporter leur contribution à la mécanisation de l'agriculture, dont on a parlé largement à la dernière journée nationale du paysan, à Coupelle, en tout cas un apprenti soudeur, mais qui nourrit de grandes ambitions pour l'agriculture du Burkina Faso, joue sa partition à travers un acte concret. Il a mis au point une charrue motorisée pour les travaux champêtres. Il nous confie à titre illustratif qu'avec 5 litres d'essence, son invention peut labourer une superficie d'au moins 5 hectares. Découvrons le jeune inventeur avec Alassane Tiendrebego et Lambert Soma. C'est ici, dans l'atelier de son père à Coupéla, qu'Ousmane Berry exerce depuis 4 ans. En février dernier, il développe son génie créateur et décide de mettre à la disposition des agriculteurs une charrue, non pas à traction animale, mais avec un moteur. Actuellement, les animaux souffrent de la famine. Il n'y a pas assez de nourriture pour les nourrir. Donc il n'y a pas assez de force pour travailler quoi. Donc c'est difficile. C'est pour ça que j'ai réfléchi qu'en prenant les moteurs des taximotos là, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer une série qu'on peut cultiver sans des problèmes. Dès lors, il se met au travail en concevant plusieurs prototypes qui ne lui donnent pas satisfaction. Loin de se décourager, il continue sa quête sans pratiquement aucun soutien, à part celui de son père qui lui achète un moteur occasion. Tous les autres constituants sont à sa charge. Les gens m'appellent fou, c'est même fou. Et toi, tu es fou. Est-ce que, comment toi, tu peux fabriquer un tracteur comme ça pour qu'il puisse cultiver? Je dis non, il faut laisser voir. Je vais fabriquer ça ici, vous allez voir. Après plusieurs mois de labeur, notre jeune inventeur de 23 ans met au point cette technologie qu'il n'a pas encore nommée. Un détour sur un terrain d'expérimentation nous permet de voir ce que son invention peut faire. Maintenant qu'il maîtrise complètement la chaîne de production, il lui faut une semaine de travail pour fournir un produit fini. Ce temps pourrait être réduit et il compte faire mieux à condition qu'il reçoive du soutien. Moi, je peux fabriquer plus que ça. Même tracteur pour monter et puis cultiver là, moi je peux tout faire. C'est parce que c'est la manque de soutenance seulement. Lors de la dernière journée nationale du paysan qui s'est tenue à Tinkodogo, Ousmane Béré a reçu la somme de 120 000 francs de la part du ministère de l'Agriculture. Au moment où nous bouclions ce reportage, il prenait la direction de Ouagadougou où il a reçu une invitation du deux ministères. L'obtention d'un brevet pourrait certainement lui permettre de protéger son invention. Retour à Ouagadougou pour parler énergie, cette fois avec la semaine de l'énergie et des énergies renouvelables. L'ambition ici, c'est le développement de l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement. C'est une initiative conjointe du ministère en charge des mines et des carrières du Salon international des énergies renouvelables. Un exemple de partenariat public-privé pour l'atteinte des objectifs en matière d'offre en énergie au Burkina Faso. Jean Zongo, Ismaël Diloma, Sirima. Production et consommation efficiente de l'énergie. Des sujets au cœur de cette première édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables en Afrique. Un cadre pour mettre en contact différents acteurs du secteur de l'énergie dans le but de porter à 80% la couverture nationale en électricité. Et pour cela, nous avons des projets de mini-centrales solaires, des projets de grandes centrales solaires, et également donc des projets pour pouvoir donc balancer une grande partie de l'éclairage public donc au solaire. À cette semaine des énergies et énergies renouvelables, les réflexions vont se pencher sur les meilleures façons de transporter l'énergie.
Il y a des pays où on a des taux de perte de 30 à 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous produisez 10 MW pour envoyer à vos consommateurs, en fait c'est seulement 6 MW qui arrivent à vos consommateurs. Les 4 autres MW sont tout simplement perdus parce que votre système n'est pas efficace. Le lancement de cette semaine des énergies et énergies renouvelables en Afrique a servi de cadre pour annoncer l'installation de stations de production de biodiesel ainsi que le renforcement du système de production de biogaz. Et on nous donne rendez-vous le 15 juillet prochain pour le prix Responsabilité sociétale des entreprises minières qui sera décerné à l'entreprise minière la plus performante du Burkina Faso. Les dés sont jetés depuis hier pour la deuxième édition de ce prix, dont l'objectif est de valoriser les entreprises minières qui tiennent compte de l'humain et de son environnement dans leur développement. Des précisions avec Jean Zongo et Aruna Maré. Lancé officiellement vendredi 6 mai, le prix Responsabilité sociétale de l'entreprise RSE est à sa deuxième édition. Il se veut avant tout un label certifiant que l'entreprise minière lauréate est engagée dans une démarche de responsabilité sociale selon le groupe Redevabilité, initiateur de ce projet. Un groupe composé de 4 organisations de la société civile en partenariat avec l'ONG Diakonia. C'est une distinction donnée par la société civile à une société minière mettant en œuvre de manière très correcte la responsabilité sociale des entreprises, qui est, je crois, un outil très important de contribution au développement national, de contribution des sociétés minières également au développement local. Le prix RSE comporte également des prix spéciaux. Il s'agit du prix spécial droits humains, du prix environnement, du prix développement local et celui des relations et conditions de travail. La compagnie minière Semafo est la première lauréate de ce prix. Pour la Chambre des mines, cette distinction valorise les entreprises minières performantes. Aujourd'hui, il est reproché à certaines sociétés de ne pas faire assez ou de ne pas respecter les engagements. Quand on a un acteur externe comme la société civile qui n'est pas parti, qui contribue à regarder ce que les sociétés minières font, qui les évalue et qui les classe, pour nous c'est très important d'avoir ce label du regard de la société civile et c'est très important pour les membres de la Chambre des mines. Le prix RSE édition 2016 est ouvert à 3 catégories de compagnies minières. Les entreprises minières en exploitation, les mines en construction et celles en exploration. Un jury est chargé de faire le tri entre la bonne graine et l'ivraie. Le prix sera décerné le 15 juillet prochain. Allons maintenant à Bobo-Dioulasso où les établissements Cheikh Anta Diop semblent avoir du mal à survivre au décès. Ils sont suspendus depuis 3 mois pour cause de salaires impayés, ce qui n'est pas pour tranquilliser élèves et parents qui s'inquiètent de l'issue de l'année scolaire, surtout pour les élèves en classe d'examen qui, pour le moment, essaient de s'organiser comme ils peuvent pour rattraper le retard. Des négociations seraient en cours entre l'administration et le corps enseignant pour sauver l'année. Karim Sissi. Mariam Bazier est élève en classe de 3e au lycée Cheikh Anta Diop 1 de Bobo-Dioulasso. Depuis un certain temps, les cours sont aux arrêts dans son établissement. Elle est obligée en son corps défendant de préparer son examen avec ses camarades. On est obligé d'emprunter les anciens cahiers pour pouvoir... Mariam Bazier est élève en classe de 3e au lycée Cheikh Anta Diop 1 de Bobo-Dioulasso. Depuis un certain temps, les cours sont aux arrêts dans son établissement. Elle est obligée en son corps défendant de préparer son examen avec ses camarades. On est obligé d'emprunter les anciens cahiers pour pouvoir... Retour chez nous et nous remettons le cap à Bobo-Dioulasso qui accueille la première édition du festival Mogoya depuis jeudi. Un événement culturel qui se veut un rendez-vous du donner et du recevoir pour la promotion et la valorisation de la musique. C'est une initiative de la Fondation Culture Africaine et Développement. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romain Ki. La place Tefo Amoro de Bobo-Dioulasso, prise d'assaut par les mélomanes pour l'ouverture du festival Mogoya. Un festival qui a pour leitmotiv la promotion de la musique burkinabé, africaine et même mondiale. Mogoya veut ainsi combler un vide musical dans la capitale culturelle, Bobo-Dioulasso. Il y a plus de 75 festivals que nous faisons à Ouaga et on n'avait pas encore commencé ici, à Bobo.
Et pourtant, c'est un carrefour entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. Nos artistes s'en vont en Europe pour faire les festivals dans les autres pays, alors qu'ici, où la musique est née, il n'y a pas de festival. Un festival de la musique, surtout à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, ça nous va droit au cœur. Une première édition bien partie pour la promotion et la valorisation de la musique burkinabé. Et au-delà, des vertus telles la paix et la tolérance sont prônées. La promotion de ce qui constitue notre âme, la valeur africaine, la valeur du Faso, la tolérance, l'humanisme, la fraternité, la paix. Autant de valeurs qui sont en passe de disparaître et qui trouvent ainsi, à travers cet événement, une opportunité de réapparaître avec force. Et c'est à ce titre qu'il faut saluer le promoteur et la naissance du festival. Ici, place Tiefo Amoro, et durant 4 jours, les mélomanes auront droit à des concerts, expositions, rues marchandes et animations. Pour ses prochaines éditions, le Festival Moroya entend ouvrir ses portes aux artistes internationaux. Et pour refermer ce journal, nous allons parcourir les hebdomadaires, les hebdos de la semaine qui font une analyse de l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré, avec à la clé une critique de la justice burkinabé. C'est Touboum Evelyne Dabiré qui a feuilleté les hebdos pour nous. Annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré. L'opinion interroge, la justice burkinabé fait-elle du spectacle ou travaille-t-elle à la manifestation de la vérité dans les dossiers qu'elle gère? Pour ce journal, depuis les douloureux événements des 30 et 31 octobre 2014, les dossiers s'empilent dans les tiroirs, les erreurs avec un point commun à tous, vice de procédure. Pour Gigi, la tension diplomatique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, car, poursuit ce journal, ce n'est guère un secret que ces mandats engourdissaient les relations entre les deux pays. La résolution de ce problème par voie diplomatique est le souhait des autorités ivoiriennes et bien entendu, poursuit Gigi, l'annulation de ces mandats ouvre une perspective pour cela. Mais l'opinion revient à la charge. Ces vices de procédure font que la justice est suspectée d'être partisane. Elle mélange ses gammes au point de faire trop souvent de l'amateurisme. Ce journal déplore alors, au Burkina, il y a des juges qui ne savent pas comment émettre un mandat d'arrêt international. Dans la même veine, Gigi écrit « Il faut dire que ce manquement fait interpréter une somme de tâtonnements judiciaires et juridiques qui ne fait pas honneur à la justice burkinabé. Même si l'on parle d'une éventuelle relance des mandats d'arrêt, cette irrégularité suscite un cœur d'indignation au niveau de la population qui craint que l'on s'en prévale pour enterrer ses affaires. L'opinion conclut à l'intention du juge d'instruction responsable de cette annulation. Il fallait écouter le cours de droit du procureur Ouédraogo. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.